Thank you.
Oh,
Amen. 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 On n'est pas en deuil ici. Amen. On est dans la présence du roi des rois. C'est quelqu'un qui a donné le souffle de vie. Amen. Tu dis amen quand tu as perdu quelqu'un. Amen. Amen. Allez, mais dans le Seigneur, moi je ne peux pas témoigner, mais je vais glorifier Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait de grandes choses dans ma vie. Ce que vous voyez là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Si je suis parmi vous, c'est la grâce. Si Dieu l'a fait de grandes choses, mets-lui seulement le peuple, mets-lui devant, comme notre sœur vient de témoigner. Il soit le premier en toutes choses. Et le reste, tu le feras. Amen. Amen. C'est un moment de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons danser pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Rosalie. Rosalie. Mon limon a ma koumi sans colo. Ma yelen a ma koumi sans colo. Mon limon a ma koumi sans colo. Yéna zali zambé na bongo. Oh,
Acclamez comme il se vous doit quelque chose. Acclamons très fort pour le roi des rois. Debout. Nous arrivons au moment de notre deuxième partie. Toi, tu vas élever juste à ma droite. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Les messages que ça va sortir aujourd'hui, je passe pas à côté. Ces messages soient pour moi. Dispose ton cœur. Tout esprit qui glorifie pas Dieu, tu le rends captif à la puissance de Dieu. Alléluia. Impossible.
Nous allons clamer très très fort pour l'homme de Dieu. Avant que Daniel soit de nous de votre vie, acclamons très fort. Amen. Restez connectés, ne soyez pas à la distraction. Merci beaucoup, servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Amen. Je vais encore prendre 5 minutes, restez debout. Je vais vraiment chanter cette chanson. En plus, ça approfondit la relation de cette chanson. Mais je vais chanter avec la porte de la réconciliation. Oh, yeah.
Suivez-moi attentivement ce matin. Et dis encore même, je serai béni ce matin. Je serai béni ce matin. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous avons un grand thème que nous allons commencer aujourd'hui. Ça intitule « C'est de cela qui vient mon malheur. » Et ça ne kuna les kamouma papa sinanga bien malheur dans les zoou. Les zoouda. Tanda si go awa bien. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi le personne et prends-toi le richesse. Pardon. Bien aimé, qui a déjà refusé la richesse? Suivez bien attentivement ici. Hein. Qui a déjà refusé la richesse? Mais ici, dans ce verset, la Bible dit Abraham a refusé la richesse. Il a dit au roi de Sodome, prends tous les biens. Le roi de Sodome qui dit à Abraham, prends toute la richesse, mais donne-moi que les hommes. Mais la richesse, tu peux le prendre. Pourquoi? C'est ça la grande question. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à ce point? Qu'est-ce qui a fait qu'ils viennent arriver à ce point? La Bible dit, il y a eu que 4 rois contre 5 rois. Ils se sont réunis. Il y avait d'autres qui étaient esclaves des autres et d'autres ils se sont revendiqués après la 13e année. Ils ont dit, fini avec ce problème, nous devons s'élever. Et ils se sont fait des unions, ils se sont fait des relations. 4 et 5 rois se sont unis pour combattre 4 et 5 rois aussi. Donc il y avait 5 rois contre 4. Et dans ces combats, la Bible dit qu'il y avait aussi la ville de Sodome et Gomorre, les rois aussi étaient dedans. Et après ces combats, la Bible dit que les rois qui sont venus combattre l'unité qui était aux côtés de Sodome, ils ont vaincu le roi de Sodome avec toute leur unité là. Et en vainquant ces rois, la Bible dit qu'ils ont pris toute la richesse. Ça veut dire que la richesse qu'ils ont trouvée dans leur pays, la richesse qu'ils ont trouvée à Sodome et Gomorrhe, la richesse qu'ils ont trouvée dans d'autres pays que vous pouvez citer là-bas parce qu'on n'a pas le temps, ils ont pris toutes ces richesses. Ça veut dire qu'il y avait Bitumba entre Mokamora et Mokamzou. C'est comme ça, une alliance. Alléluia. C'est comme France signée avec Belgique, Allemagne, etc. Et de l'autre côté aussi, fait l'union, il y a Kobunda. Et maintenant, le camp de ce côté, il y a Kamana. Et le camp qu'on a vaincu, c'est le camp de Sodome et Gomorrhe. L'été a leur état. C'est grave. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et quand ils ont vaincu l'autre camp, avec l'autre camp, ils ont pris toute la richesse. Vous savez, à la guerre, quand on vous frappe, vous fouillez, qu'est-ce qui arrive? La richesse, ils le prennent, ils amènent avec eux. Ils ont amené. Et la richesse, quand ils ont amené cette richesse, au milieu des gens qu'ils ont pris, au milieu de la richesse qu'ils ont pris, il y avait aussi Lot qui était neveu d'Abraham. Quand Abraham a écouté que les gens qui ont frappé, ils ont pris aussi son neveu qui est Lot. Et la richesse, ils ont ramené. Bitumbawana, l'anda bien ma maison Obama. Et c'est là qui Abraham était. Mais c'était le combat entre eux. Mais comme il y avait intérêt d'Abraham, ça veut dire qu'il y avait l'autre milieu des gens qu'ils ont ramenés. La Bible dit Abraham prend ses vaillants guerriers. Ils ont dit cher. Ils ont pris qui? Mon neveu. La richesse. La Bible dit Abraham prend ses combattants. Ils ont suivi les camps qui ont vaincu l'autre camp. Est-ce que vous comprenez? Amen. Abraham est allé maintenant suivre ses camps pour racheter Papi qui s'allote. Neveu naïe. Et la Bible dit, quand il est allé au combat, il a frappé. Donc, est-ce qu'il va passer à la 5? Balongi va, oh, mais Abraham a dit qu'il y a mon akane, a bêti bango. Et la Bible dit, et aussi, ils ont pris fuite. Abraham a récupéré l'autre neveu. Il a récupéré aussi toute la richesse. Oh, le bango va mettre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand il ramena cette richesse, maintenant, le roi de Sodome, côté de Sodome, autant de bani. Quand il a
écouté qu'Abraham a poursuivi ses ennemis, il a récupéré la richesse qu'ils ont amenée et les hommes, il a délivré. Le roi de Sodome est allé maintenant voir Abraham. En arrivant vers Abraham, il a dit, Abraham, félicitations. Merci parce que tu as vaincu le combat. Abraham, quand il a vu le roi de Sodome, il dit au roi de Sodome, j'ai vaincu, mais mon problème, ce n'est pas la richesse. Prends tout. Le roi de Sodome qui a commencé à parler à Abraham, il a dit, la richesse que tu as pris, je n'ai pas compte de la richesse. Mais mon problème, c'est quoi? Donnez-moi que les hommes, ça veut dire que les hommes qu'on attendait comme captifs, comme tu les as libérés, donnez-moi que les hommes. Mais toute la richesse que tu as pris, tu peux rester avec. Est-ce que quand on parle de cette richesse, pour calculer richesse, c'est comme quelqu'un qui prend la richesse de tout un pays comme la France. C'est comme quelqu'un qui prend la richesse de tout un pays comme l'Allemagne. Et maintenant, la richesse là, n'était pas une richesse d'un seul pays, était la richesse de 4-5 pays. Et regardez cette richesse. Et la Bible dit, il dit, le roi dit, nous n'avons pas besoin de cette richesse. Mais nous avons besoin que des hommes. Ça veut dire que prends la richesse, Abraham, parce qu'il n'y a pas de richesse, richesse en soi. Mais pèse la sur quoi tu as battu. Débattre qui ma richesse. Depuis que j'ai lu la Bible, je n'ai jamais vu ma richesse. Bâtir le monde, Wana. Et autour aussi, il y a Abraham qui a dit non, moi aussi je n'ai pas besoin de cette richesse. Prends toute ta richesse, va avec. Malgré tout, je suis allé combattre, mais je n'ai pas besoin de cette richesse. Prends cette richesse, va avec. Abraham pas bon. Joie. D'où vient mon malheur? Maintenant, la grande question que tu dois te poser, pourquoi Abraham a refusé la richesse? Parce que dans le monde, personne ne peut refuser la richesse. Abraham avait droit de recevoir ça parce qu'il est allé combattre, il fallait jouer à nous. Mais pourquoi Abraham a refusé de prendre la richesse? Bien-aimé dans le Seigneur, Sodome Bazaki Mayen, alors il prend la richesse. Mais donne-moi que les hommes. Tu sais pourquoi? Je vais te dire ce matin. Ce n'est pas la richesse qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la richesse. Amen. Amen. Ce n'est pas la richesse qui fera de toi quelqu'un, mais c'est toi qui fais que la richesse existe. Amen. Ça veut dire que Kobanga kate pour mutu mokazana bozuye belé. Pour vos huités, mutu komisye mutu. Mais yazala ki mutu dazu bozu. Le mot est que tu peux avoir rien, mais tu peux avoir ce que tu as avec la grâce, tu peux faire des richesses. Amen. C'est pour ça que le roi de Sodome a regardé et a dit, non, je n'ai pas besoin de richesses, mais j'ai besoin des hommes. Parce que la richesse que tu me donnes, ce sont des hommes qui l'ont fait. Donc si tu me donnes des hommes, je peux en faire cette richesse. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de mourir parce que nous ne courons pas derrière ce que nous avons comme capital. Mais nous courons derrière la richesse. Qu'est-ce qui a fait Abraham de refuser la richesse? Genèse chapitre 12. Ici, c'est l'école. La basité de vainqueur, c'est l'école de Dieu. On se base à la parole qui nous répond. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Quelqu'un l'a récit? Oui. Dix à 20. Genèse chapitre 12, le verset 10 jusqu'au verset 20. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine faisait lourdement sur le pays.
Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront, tandis que toi, tu les laisseras en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était très belle. Les intendants du Pharaon la virent et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Cependant, l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille des grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi as-tu prétendu que c'était ta sœur? De ce fait, je l'ai prise pour femme. Voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna l'ordre à ses gens de les renvoyer, lui et sa femme, avec tous ceux qui lui appartenaient. Avec tous ceux qui lui appartenaient. Lisez le verset 13, 1 à 2. Abraham remonta d'Égypte vers les Gouëves, avec sa femme et tous ceux qui lui appartenaient. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Suis-moi attentivement maintenant. Qu'est-ce qui a fait d'Abraham de fuir le pays qu'il avait pour aller en Égypte? C'est la famine. Faim, nous a la passe. Alors que quelqu'un qui est en famille, il a un bon côté, il a un bon il a un argent. Parce que si tu as l'argent, l'or est riche, qui m'a dit à la terre. Ça veut dire que quand Abraham est descendu vers l'Égypte, Piaké et l'autre côté, tout ce qu'il avait pour fini, et souffrance qui a fait aussi beaucoup de gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont fuis de leur pays. Pourquoi? Parce. Et ça va monter. Et Abraham arrivant en Égypte, il avait rien. Richesse, on va revenir à 13 ans, il a monté. Et en arrivant en Égypte, la Bible dit, sa femme était tellement belle, Sarah. Elle dit, si je dis que tu es ma femme, ils vont me tuer pour te prendre. Alors, dis que tu es ma sœur pour sauver ma vie. En réalité, Abraham n'a pas menti. Abraham a parlé la vérité. Parce que Sarah aussi n'était pas que sa femme, était aussi sa sœur. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais il a parlé de la vérité en introduisant aussi le mensonge. Parce qu'Abraham, Sarah n'était pas seulement que sa sœur, était aussi sa femme. C'est pourquoi? Parce qu'Abraham a pris Sarah dans sa famille. Parce qu'au temps ancien, le choix de se marier, moi, la maman, moi, la lèque, tout, c'est ça qui est normal. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, Baka Sende Bazawana, comme ils sont avec Némi, il peut se marier, n'a pas la maléa. Car les Arabes qui bon, ouais, oui. Donc ça veut dire que il y a qu'on dit la botibana, la botibana, bana, soit balan. Car la terme de la Bible n'était pas un péché. Parce que Dieu voulait que le peuple n'aille pas que les bandes va peuple nous soutenir. Mais après, quand la loi est venue et le peuple était déjà nombré, Dieu a mis une interdiction. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand il a prié comme femme, en arrivant devant l'Égypte, il dit aux Égyptiens, c'est ma sœur. Le roi a pris Sarah comme femme. Lis bien la Bible.
les gens disent à cela qui est le côté. À cela qui est le côté, c'est là qui na la deuxième phase. La deuxième fois, après, on a pas ma kéda qui sous la sonore. Mais na oh, et puis, pourquoi m'as-tu menti? Parce que j'ai pris ta femme comme ma femme. Ça veut dire qu'avant, on a eu le problème, c'est à vous mal. Et Nayango, la colère a frappé la maison de Pharaon. Et pourquoi il a fait ça? La Bible dit Abraham a bénéficié de la richesse, l'or, des choses. Ça veut dire que tant que vous dit que, à combien de kilos, t'as vos kilos. On a donné la richesse, l'or, les pieds, ma pessie et ma pied. Ils ont donné toutes ces richesses à cause de qui? Solo la gâte. À cause de qui? Sarah. Sarah. Dans la vie, c'est comme ça. Quand ton père, ton grand frère, ou ta sœur à Bali ou dans Bongo, il y a pas de mérite. Et bien, il est dans la Bible. Ils allaient à il y a des gens qui disent ceci. Attends, je vais ouvrir une parenthèse, papa. Les gens sont contre le pasteur qui sont en train de former leurs enfants pour que leurs enfants deviennent aussi des pasteurs. N'est-ce qu'à Moïse lui. Et moi, je me pose la question, pourquoi vous êtes contre ça? Exemple, moi, je retrouve aujourd'hui cette jeune, moi, on a dit, auto-formé. Ben, je ne suis pas auto-formé. Ben. Si cet enfant est le nom de l'église, la porte de l'église, elle va dire, on va dire, on va dire, on va dire, lobby à servir ma casse. Et pour moi, nous, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un problème de comprendre. 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 Il mais les gens sont contre ça, mais c'est la Bible. Mon père qui est dans les cieux, Jésus qui s'est dit à ma tata. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Ça, ma tata est descendance. Donc ce n'est pas mauvais que tu prennes tes enfants pour l'accélération de l'Anjam. Ce n'est pas mauvais qu'aujourd'hui tu es appelé à servir Dieu, tes enfants aussi va servir Jambé. Est-ce que dis-moi amen? C'est une richesse de la descendance. Et c'est encore une bénédiction. Parce que ces enfants vont faciliter qu'on soit ponctionnaire parce que là, la canon va la canal. Abraham a bénéficié le courant de Goulet pour sa richesse. Pour la moisi, où il y a pécié à sa richesse. Il y en a bien. Aujourd'hui, Abraham a séparé. Dans où on a découvert le courant, par exemple, Abraham, prends tout ce qui est à toi, sors ici. Ça veut dire que le roi n'a pas permis à Abraham de prendre ce qu'il lui a donné. Il a dit à Abraham, prends tout ce qui est à toi. Ça veut dire que quand tu es venu ici, Oyaki Makolo n'a pas beaucoup. Est-ce que vous avez dit ça? Tu es venu enfamé, tu n'avais rien. Donc prends tout ce qui est à toi. La richesse là qu'on t'a donnée n'est pas à toi. Quand tu es venu, si tu ne l'avais pas, prends tout ce qui est à toi et sors. Mais selon le roi, Abraham pouvait aller n'aigné à Yaki. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a profité de la faiblesse. Le roi a dit pas qu'il y a qu'il y a. Abraham a dit à combien de richesses. Il dit au roi, moi, c'est un peu de mal. Il a dit, il a dit, il a on va la pécher pour qu'on accueille. Moi, c'est à dire qu'on a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de temps. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a pris la richesse qu'on l'a donnée. L'icolo, il y a le soumou, il y a Sarah. Pourquoi il y a le soumou, il y a Sarah qui a su aux joies de l'Union. Et à sortant de ces richesses que vous voyez maintenant, le verset 13, la Bible dit Abraham devenait riche en or et en argent. Est-ce que Dieu dit amen? Maintenant, le danger, c'est quoi? Pourquoi Abraham a refusé la première verset que nous avons lu? Le conséquence de ce qu'Abraham a subi et péché marié. Quelle était la conséquence? Abraham, quand il a fait ce qu'il a fait là, Abraham a fait un sacrifice. Devant l'autel, il est en train de faire le sacrifice, Genèse chapitre 15. En faisant le sacrifice, Dieu s'énerva tout en même temps. Tout en même temps.
Genèse chapitre 15, 13 à 14. Genèse chapitre 15, verset 13 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Mm. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Continue. Où est l'indicateur? Cependant, la nation dont ils seront esclaves sont c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Richesse dans ma cabou et au salamignan. Richesse à vous à l'esclave, à quoi après la souka à copie massico, la richesse et au salamignan à la richesse. Que Dieu bénisse sa part. Mettez-la dans le monde. L'homme a jamais il a bien mal à quitter le bain. Dieu ne tolère pas ce qui est mauvais. Bien-aimé, tu peux faire le mal aujourd'hui. Tu penses que aux êtes champion. Mais mal loin de vous soyez pour l'andayo. On ne peut pas régner à kate na ma kile à batou. Pas régner à kapete na ma bé. Même aujourd'hui, tu ne payes pas. Il y a quelque part, quelqu'un va le payer. Abraham a pris la richesse. Il était content de la richesse. Mais en étant en songe, en étant en sacrifié, c'est là qu'il y a son message par exemple. J'ai dit Abraham, toutes tes négligences, tout ce que tu as fait, Abraham, tu le paieras. Bien, mais ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais demain, en toutes tes choses, il y a un salaire. Quand tu poses des actes, quand tu fais chaque chose, dis-toi, demain, qu'est-ce que je paierai à ce que je fais aujourd'hui? Abraham a vu sa vie, ton corps sera vu son. Osa na on est qui n'a gagné. Ton corps a pas pour manger, t'es un problème. T'es pas comme si ma bête balle n'a pas beau, pas le père n'est qui. Moi, mon père, il est pas comme il riche. Mais Abraham, comme il riche, mais tes enfants, les pères. Abraham, écoute-moi. Derrière cette richesse, il y a une nation qui viendra, qui va payer cette richesse pendant 40 ans. 400 ans. Richesse aux unes. Mais il y a une nation qui va venir. Il doit aller payer ce que tu as reçu. 400 ans. Et pourquoi? Parce que je vais purifier cette richesse. Cette nation ne doit pas rester avec une richesse impure. Mais cette nation doit aller payer cette richesse. À travailler le col esclave pour pas foutre à mort au soir. Et quand ils vont finir de travailler, maintenant ils vont amasser la vraie richesse de leur suite. Ah! Ma copine, ma seconde, ma suite, y'a suyé dans ma mot. N'étant pas ma coquette, ma cause, la richesse est pire. Parce que nous avons travaillé comme esclaves. Amen. Vous comprenez tes dimensions. Yes. Tout ce que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper. Si ça ne te rattrape pas, ça ne rattrape pas tes enfants. C'est la loi. Et à cela, c'est dangereux de me recevoir. Je vais parler aux gens qui veulent te recevoir. Abraham n'a pas voulu sacrifier, il a voulu qu'on les donne. Il y a beaucoup de gens qui ont dit Pensanga, la loi de Bato Badinga Kaka Kozua. Ma problème est là d'avant. Il a voulu recevoir avec facilité. Mais il y a des gens qui ont venu payer cela à prix de vie. 400 ans. Tes enfants resteront esclaves pendant 400 ans. Il y a d'autres personnes qui sont venues souffrir pendant 400 ans. Na makambo yo réni au sali. Ne va nous souvenir au souffrir non. Donc à ce moment-là, on peut gêner, on peut prier. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu écouta les cris du peuple d'Israël. Il a écouté ça quand? Quand
peuple d'Israël. Il n'a pas écouté le prix des 400 Israël pendant les 400 ans qui critaient. Non, pour 400 ans, on ne va pas voir au 400 ans, il y a un délai à décrire en Zami. Dieu a commencé à écouter les cris dans 30 ans. Parce que Dieu avait dit ces 400 ans, et ils ont fait 430 ans. C'est quand les 400 ans ont fini de le coller fou, ils ont dit que ça va voir. Donc ça veut dire qu'il y a des choses. Ceux qui déjà m'ont bambi le corona, yo. Même ne m'a décollé là. Il faut 400 ans ici là. Il faut pas foutre à pire. Il y a ma cambo vraiment ça. Est-ce que quelqu'un t'a dit de m'écouter? Amen. Dans la vie, la loi de vouloir recevoir gratuitement, vouloir recevoir sans rien faire, ça va te rattraper. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont entrées à bord de cela de souffrir le problème de stérilité à cause de vouloir recevoir, mais elle ne sait pas ce qu'il reçoit, qu'est-ce qu'il donnera après. Chaque fois quand tu veux recevoir quelque chose, il faut que tu te poses la question, qu'est-ce que je donnerai après de ce qu'il me donne? Dans la loi de recevoir, il y a les données. Tout ce que quelqu'un te donne, il faut que tu lui donnes quelque chose. Dans la loi spiritualité aussi, c'est comme ça. Si tu donnes quelque chose, il faut que tu reçois quelque chose. Il y a quelqu'un qui apparaît dans ta vie. Il te donne des choses, il t'offre des choses. Mais ta maison personne ne le connaît, si ma zone n'a soit. Et vous, vous allez battre pour aller. Est-ce que vous allez gagner? Hein? Tu as écouté? Et j'ai une femme à Tadio. Elle nous a pourquoi? Tu es beau, hein? Je t'aime beau, hein? Tu vois? Il te parle français là. Il faut que tu saches. Celle qui veut, oh, à comment on peut se l'amour? Hein? Il faut maintenant te poser la question. Ce que tu me donnes là, après tu veux recevoir, hein? Parce que tout ce que quelqu'un te donne, il faut que tu lui donnes aussi quelque chose. Est-ce que quelqu'un t'a dit de m'écouter? Beaucoup de nos sœurs ont aujourd'hui des problèmes spirituels. Pourquoi vous voyez beaucoup de problèmes spirituels dans les femmes? Comme on dit dans l'église, oh, baskamba zoamolimo, baskamba kouyaka, baskamba tutura. Oui, parce que nos sœurs ont beaucoup la loi de recevoir. Malika a besoin. Akoute na mutumo boué, akoumo pese ba 1000 euros, ba 10 000 euros, ba 5 000, yoka, na chansa, maman pese à ton chance dans la vie. Johanna, allons laisse. Sache-le dans la vie. Tout ce qu'on te donne, il faut qu'il reçoive quelque chose. Ote, Azouanini. Azouatomi Makati. Il y a quelqu'un qui peut te suivre dans la vie parce qu'il n'a pas besoin ni de ta beauté ni de ton corps. Mais il a vu quelque chose. Ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a besoin de recevoir. C'est pour cela, après de gagner de l'argent que tu as gagné, après de gagner ce que tu as gagné, qui m'a appelé? Après de gagner ce que tu as gagné, moi je suis allé en Allemagne. Qu'est-ce qui m'a ramené en Allemagne? Et là, je suis allé en Allemagne. L'homme était riche, à son pensé, bon, biloko, tout. Alors que ce qu'il lui donnait, il n'avait pas besoin de cette femme comme femme. Mais cet homme était de science occulte. Il a vu à cette femme une étoile. Il avait besoin à saler l'étoile, Wana. À lier na finaye. Maintenant, il faut accommissaye moi si naye. Il a commencé à lui donner des dons de milieu à tomber dans le monde. Mais comme Wana Sala, quand cet homme est allé, maintenant cet homme a dit, Bakawani. Mais à comment mon amour à mon père voilà chaque jour la finale. Maintenant, via ces on est commis pas si l'homme a eu ce que nous avons déjà fait alliance avec toi. Moi et toi, c'est la mort à petit côté. La loi de recevoir. Il veut te recevoir, mais il ne se pose pas la question. Tout ce que tu me donnes, pour quel intérêt a fait? Tu veux recevoir quoi dans ma vie?
bien-aimé, Kolinga offerte, Kolinga gratuité. Le gratuit ne paye pas. Attends, une langue portugaise dit ceci. Ubara tu kushta kar. Qu'est-ce qui Moutoyo alingaka moins cher et koutake plus cher lobby. Même pas paye par lobby. Pour même analyse à paye lobby. Même quand vous êtes à l'église, n'aime pas le moins. Ça veut dire que l'ingato à la moto. Et si Kanyos va dans sa licam. Il y a moins, il y a au filéter. Si tu vois tout le monde sont en train de faire un acte, oh bah tu y es dans ça acte photo foot à ça les gars tous à la cam. On a peine à ligner au filéter. Parce que dans la vie si les gens sont là que pour te donner, sache qu'ils sont en train de recevoir quelque chose dans ta vie. Tu ne le verras pas comme ça, ce sont des choses spirituelles. Yo linaka va saler là yo. O linaka va saler là yo. Mais c'est un problème ça. Écoute encore un verset là, peut-être nous verser mon pour comprendre bien. Ouvrez vos bibles, t'as fou la Bible là. Pour la Bible. Hébreux chapitre 7, verset 7. Calme-moi, papa. Hébreux 7, 7. Vous suivez Actes, apôtres 20, 34 et 35. Indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Bandela, c'est l'inférieur qui bénit les. C'est le supérieur qui bénit les. L'inférieur. Bandela, c'est le supérieur qui bénit les. L'inférieur. Dans l'Acte des Apôtres. 20, 34 à 35. Acte des Apôtres, chapitre 20. 34 à 35. Nous lisons le Jésus. Amen. À 35. Vous les savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parole de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclame pour cette parole. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Quand ça la moutoua, il n'y a pas pécédé. Mais la Bible dit, si tu veux être nombreux et vivre le bonheur, moi de joie, moi de mort. Si tu veux vivre le bonheur, la Bible dit, la loi de la Bible dit, il n'y a que le bonheur à donner. Ça veut dire que si je veux être un homme heureux dans ma vie, et dans l'équipe, là, moi, la nangaï, je suis en moto, quand je vais me faire ça. Je vais me faire ça. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, on contient dans mon niveau de banni. Il y a plus de malheur qu'à vouloir recevoir qu'à donner. Pourquoi? Parce que verset, il y a un proverbe. Et eux, ils sont mystères, moi, dans ma cambole. Beaucoup de gens pensent à s'épargner. Prophète de l'Olibo, moutouazo épargné, bon, on a yé. N'a moutouazo pèse à zo gaspillé. Mais moutouazo épargné à zo comme de plus en plus pauvre que moutouazo pèse à zo pèse.
Est-ce que vous pouvez comprendre le mystère, voilà? C'est lui qui est pas normal, doit se sentir riche. Pas ce bomba. Mais pour faire mon vie, on commande pauvre. Pourquoi il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Parce que beaucoup de gens pensent que quand on a bomba, on commande, on commande à vous. Ce n'est que le supérieur qui bénit les. Si tu veux être supérieur dans ta famille, il faut m'accompagner pour la Kabatou. Si tu veux être supérieur dans l'église, il faut m'accompagner pour la Kabatou. Si tu veux, c'est ça la loi. Ce n'est que le supérieur qui bénit les inférieurs. Mais toi, tu aimes qu'on te donne, qu'on te donne. Tu seras toujours inférieur. Parce que c'est lui qui donne. La Bible dit c'est lui qui sera supérieur. Amen. Parce que la personne qui te donne, c'est lui qui est en train de faire l'acte de te bénir. C'est pour cela que vous voyez, même dans l'église, même dans la famille, vous allez voir la personne qui a l'habitude. Quand il y a un problème, quand il y a tout, c'est lui qui est là pour soutenir, faire. Vous allez voir, cette personne est toujours supérieure à vous. Toujours supérieur. Pourquoi? Il y a de bonheur à donnant qu'à recevant. Et ce n'est que le supérieur qui doit continuer à bénir les inférieurs. Ne combats pas des gens. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème est que toi, tu ne fais pas la loi de donner. Tu es qui dans la loi de recevoir. Écoute, quelqu'un dit ceci. Nokoana, Tatale Kiwana. Yaya wana kabarate. Yemani go makasa kabarate. Mais il faut lui poser la question. Nga yga som ta yga baya kabarate. Il faut lui poser la question. Nga de la kabela yini. Oui ya kabarate. Sko yo. Dejo kabela yini. Po yye pa kabarate. Dans la loi, il faut vouloir plus donner. Quand tu vois tout le monde fait un geste, tout le monde fait quelque chose, ne reste pas comme celui, moi na mawa. Oh, pas une fois, nous voyons qu'il est mawa. Ce n'est que dans les petites choses que Dieu peut te rendre fort et grand. La loi des dons. Est-ce que vous allez m'écouter? Amen. Et c'est cette même reine qu'Esaou a fait. Esaou sort de sa. Il arriva, il rencontre son frère en train de manger. Mais sa mère. Anzala, paix sa mère. La loi de recevoir. Les gars, besoin. Mais il y a eu, c'est vrai. Oui, moi je vais te donner, pas de soucis. Mais est-ce que tu sais qu'il est bréqui? Son âme n'a pas fait sur la sibérienne, non? Alors que dans la loi, il fallait qu'Esaou soit supérieur de son frère. Mais Esaou t'a renversé ma loi. Il y a ce qui n'a pas Sénat et l'eau où il y a bamba, poto, poto, il y a bamba, et renversé au continent. Bien aimé, on peut te voler une grande richesse dans ta vie qui coule à 100 euros. On peut te voler une grande richesse de ta vie quand il coule à 1000 euros. Parce que quand nous colombons avec 100 euros, ok, il faut ça, il faut fou comme la moutouze, ma pêche à moi, ma lobby, ma cambo, yo, y'a mis tes nids, ma lobby, ma ciment, mais ma yibie, l'eau, la vie est importante. Le monde que nous sommes en train de vivre, la Bible dit, est sous la puissance du diable. Dans la vie même, je répète, dans la vie, il ne faut pas aimer la facilité. La facilité n'est pas même de Dieu lui-même. Amen. Parce que même Dieu n'aime pas la facilité. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde dans l'ambassade. Au lendemain, quand on a un ensemble pour qu'il ait changé, mais il a décidé d'envoyer son fils pour que le fils a les canapas, la souffrance et pas la victorie. Même Dieu n'aime pas la facilité. Il y a des fois dans la vie, tu peux marcher. Aux autres, on dit là, on va faire. Tellement ma camboison, les gars. Et ça, on passe dans mon thème.
Mais on n'y a les gars, on n'a pas la facilité. Mais quand on est en bas, on est là. Moi, il y a une saison qui t'apporte Silas. Parce que tu n'aimes pas la facilité. Amen. La vie, c'est un combat. Amen. Et la vie, tout le monde qui n'aime pas la facilité, Babi Magakara va grand vainqueur l'homme. Est-ce que quelqu'un t'a télé m'écouter? Nous avons vu les gens aimer la facilité. Mais on fait cette facilité. Et puis si maman récompense à mon hérité. Mais même en plus de problèmes, plus de réalité. Et dans la vie, il faut combattre, il faut battre. Parce que victoire, ils en ont pas. Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Moi, la porte est dans une question de te parler. Je dis à chaque fois à ma femme, ma vie, ce n'est que la vie de dire n'a dire. Moi, j'ai passé à la mort de mon père. Quand mon père était mort, je fais 3 mois. Je dis 3 mois. Je pleurais chaque nuit. Navani bona chambre, na mona sopri, na mona molele. Na lela tro, na soma do kotra varete tro mona. Mama yim na lela tro. Na soto nga upriye makasu mona na molele. Na da na kuba na kaka molele ati. Obi ole ya ngeza ni. Ole ya ngeza laga. Dans la vie, quand tu ne veux pas la facilité, tu auras une histoire. Amen. Si aujourd'hui David est devenu David, pas pour une facilité. Amen. Amen. Mais un jour, une histoire va être devant nous. Dans la vie, toute personne va nous faciliter à sa histoire. Amen. Et tous les grands hommes dans la Bible, parce que ça va parler comme l'histoire passe. Amen. Vignons sur la facilité de sa vie à ma grand. Amen. Toute personne qui est grande n'aime pas la facilité. Amen. Parce que c'est la grandeur qui crie à lui. Amen. Il sait que je serai quelqu'un. Amen. Il sait que j'arriverai quelque part. Amen. Il y a mon abonné facilité pour l'homme le matériel de Sanidaï. C'est Dieu qui m'a fabriqué. C'est Dieu qui m'a pris. C'est Dieu qui m'a façonné. Et c'est Dieu qui m'a fait arriver. Et Dieu te bénisse. Regardez, lisez la Bible. Abraham a eu 6 fois. Il a dit Abin a cause de richesse. Il a été pour le battre. Il a été pour le battre. Il a été Si tu es le vainqueur, on peut passer tout ce qu'on peut passer. Mais dès le début, je vous disais quelque chose. Quand je parlais, on n'était même pas dans cette salle. Quand je disais ça, vous allez même dans la salle haute, vous allez même dans la bateau haute. Vous allez quand la maman a mis ça, tout le monde sous maman et au sein de la maman va être malisé dans la banane Belgique. Pas dans la. Vous allez dans la yaya haute. On a l'air de se faire le coup. On a l'air de se faire le coup. Donc voilà, on s'appuie dans la salle. On a l'air de se faire le coup. On a l'air de se faire le coup. On a l'air de se faire Mais église, la manière dont on est sous la salle, église, et vous allez parmi l'église amenée de la France. Au moins, tu écoutes la prière, moi, mardi. Tu écoutes également sur ma mort, il est Tu vas nous prier. Au moins, tu vas prier lundi. Mais c'est dans le lundi. Au lundi, pour moi, notre présenté est OK. Mais quand on a dit l'église, c'est que l'église a mené en France. Et quand je disais ça, c'était comme une fourmi. Elle ne peut pas comprendre. Parce qu'elle ne voit pas ce que moi, je vois. Mais je le disais parce que je croyais au Dieu qui parlait. Si on a voulu la facilité, on pouvait la voir. Parce que quand je suis arrivé en France, il y a des servantes de Dieu. Maman, il m'a dit, il y a des servantes de Dieu. Papa, tu as dit que tu as une vision. Tu as dit que tu as un mentor. Tu as dit que tu as un mentor. Tu as dit que tu as un mentor. Tu as dit que tu as une église. Tu as dit que tu as un mentor. Tu as dit que tu as un mentor. Tu as dit que tu as un visionnaire à la communauté. Maintenant, tu as passé la France. Tu as dit que tu as un mentor. Papa, tu as dit que tu as un mentor. Tu as dit que tu as un mentor. Apôtre, vous êtes un apôtre. Vous êtes un mentor. Vous êtes un mentor.
ye docteur ni entrega pour nous papa na osa ça va mais la limite osa mara ça osa mator na et ça y est na parce que ça pour comprendre que batu ba luka ngé bélé na bloko wana mais si j'ai fourni la facilité nanga ba oui na kouté na l'église na kouté na batu pour nous les amis écoute écoutez Dieu c'est plus mieux que faire les choses dans les sentiments. Amen. Quand je priais Dieu pour la séloi yakawana nous avons appris ce matin la soule de ma campagne et c'est la vie qui est de vous prier même papa dans nos souhaits à ça on a vendu et dans la taille et c'est la campagne et on a ça vous êtes là et ça y est et papa que nous allons et voilà ce qui nous a passé à cette maman aïe ça est bien yaka tobani ma grand formateur et voilà les pieds soit taille à prier à quand on soit une année à quand on soit qu'est ça qu'est né zamba nous banani sont à parler de nous à ça voilà. Pourquoi? Parce que si les choses tu ne le fais pas sentiment, au commandement au Canada. Si tu veux recevoir les choses par facilité, au commandement au Canada. Mais si tu fais les choses selon Dieu, et si tu fais les choses en écoutant la voix célestiale, l'okuta, à ton moni bana le bousonani, à ton moni zélé comme moui, et l'idée koyaka. Parce que c'est lui qui t'a conduit. Va baigner le colonne de feu là. Pour colonne de feu qu'on dit caillotier. L'impacté qu'on dit caillotier. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu peux arriver dans le moment le plus noir dans ta vie. Qu'on tendre ma main à faciliter tes pocos dans le moment noir. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Et moi, écoutez, papa m'a envoyé ce bébé dans mon corps. Vous savez, dans la monica, on a la chouette, papa, on a la célibataire, on aura fiancé. On aura papa dans l'église, on aura fiancé. Mais tu vois, on a français, papa, pour la monica, on a cédé, pour français, pour m'envoyer ce bébé. La FC est bon à l'objet. Qu'on tente les mains à faciliter le tempo comme une affaire. Parce qu'il est rattrapé. Ce que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper. Attention. Dieu bénisse sa parole. Amen. Lève-nous pour prier. Même Dieu a dit à Moïse, alors bien aligné, je ne veux pas que vous puissiez emprunter. Mais que vous, vous devez donner. Vous devez faire la terre, mais vous ça. Bien aimé, dans le prier, prier, je vais vous ensemble. Je ne veux pas cette loi de facilité dans ma vie. Yao, cette guerre en DC, il y a qu'on 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 a. Mais il y a un problème. C'est un problème satanique. Le diable est en train de te fouler, de te voiler. Le diable est en train de te voiler. Quand on va te faire un père, c'est un peu comme ça. Alors que dans la loi du bonheur, de la supériorité, ce n'est que celle qui donne. On va te faire un père, ça ne va pas s'enrichir. Il y a un problème à ça, ma soeur. Pourquoi tu veux que recevoir? Pourquoi tu ne veux pas donner? Alors que dans la loi de grandeur, c'est celle qu'on donne, c'est elle qui devient grand. Madame Kamouranga, bah Dieu te délivre moi de cette force. Tu ne deviendras jamais grand si tu n'entres pas dans le principe et dans la loi. Thank you.
sombre esprit de mal. Dieu, délivre-moi, délivre-moi, Seigneur. Parce que je n'ai qu'à moi l'esprit de donner, de donner, de recevoir, mais non de donner. Pour la nuit.
y a ça la mine. Et mine est sur le réclamé, n'aille pour la salaka la situation. La limite du sort, c'est la manière plutôt bombée. La limite du sort, c'est bombée. Mais nous, y'a pas tant de mots, papa, la salle de la prière. Bombée la, bombée la, bombée la. Sauter à la défaut, ta papa, maman, sauter à la Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta compassion. Qu'est-ce que j'ai touché? Qu'est-ce que je récite? Oh Père, au nom de Jésus. Mais que le Seigneur
C'est le chemin de ta grandeur. Amen. Donc, la Bible dit, heureux celui qui entend et qui fait quoi?